Comment mettre en péril sa renommée, sa carrière à cause d'une simple émission de télévision? Eh bien, c'est l'objet de notre réunion amicale de ce soir. Les courageux candidats sont des artistes qui vont tenter, comme vous à la maison, de répondre à un maximum de questions, mais ce soir, vous l'imaginez, pour la bonne cause. Voici le premier couple, Muriel Robin et Julien Clerc. Ça va bien? Ça va. Regrette pas d'avoir dit oui à notre invitation? Non, je sais que, bon, il y aurait eu avant et après cette émission. Voilà. Bon, voilà, ouais, c'est tout. Voilà. Mais une fois qu'on le sait, c'est pas inintéressant en même temps. Ça sera une étape dans ma vie, quoi, ouais. Voilà. Julien, donc des révisions depuis de longues semaines? Bien sûr, j'ai appris à peu près 2 dictionnaires entièrement. Bon. Alors, nous allons tout de suite vérifier ça, parce qu'il va falloir y aller. Ouais. Voici donc avec vous qui veut gagner des millions. Allez. Bon courage. Muriel, Julien, merci d'avoir accepté notre invitation, et je le disais pour la bonne cause, pour une association qui vous tient tous particulièrement à cœur. Oui. Il s'agit des enfants afghans. Enfants afghans et l'hôpital pour Kaboul. Oui. Voilà, merci à vous, parce qu'évidemment, alors je ne sais pas quel sera le montant du chèque avec lequel nous repartirons. Mais de toute façon, c'est magique, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on peut espérer rêver sur des sommes formidable, et tout d'un coup l'hôpital se fait, mais enfin, quel que soit le montant du chèque, ce sera formidable. Mais la première pierre n'est pas posée encore, il faut encore beaucoup d'argent. Mais je crois qu'après cette émission, on va s'approcher, en tout cas, puisqu'on est déjà à... Je vais encore parler en francs. On est aujourd'hui à 8,5 millions de francs sur le compte, et j'ose espérer qu'on passera les 10 millions peut-être avec cette émission. Bah, c'est possible, en tout cas. Vous pouvez, avec chaque couple, gagner 1 million d'euros. Voilà. Donc ça laisse rêveur. Mais on s'approchera des 10 millions, donc on peut espérer la première pierre pour janvier, en tout cas. Voilà. Bon. Julien, on est prêt? Alors voici ce qui vous attend. Regardez la pyramide des gains, des questions. Il y en a 15 pour être précis. La première à 200 euros, 300, 1500, 6 000, 12 000, 48 000 pour en arriver au million d'euros. 2 étapes qui vous permettent de souffler et de repartir quoi qu'il arrive avec une somme. 1500 euros, c'est la première étape, le premier palier. 48 000 euros, c'est le deuxième palier. Pas mal, 48 000. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, Julien, je te parle. Il faut déjà qu'on arrive à 1500. Et puis le sommet, c'est 1 million d'euros. Et jamais... Il n'y a pas plus après un million d'euros, non. Non. Mais vous faites confiance à ceux qui vont Si on a des réponses à d'autres questions... Des questions qu'on ne pose pas, par exemple. On ne pose pas, non. 3 jokers, je sais que vous avez affiné, vous avez une tactique particulière, c'est pas pour les jokers. Le 50-50, au cas où vous hésitiez. Le coup de fil à un ami qui resteront peut-être des amis. Moi, j'en avais pas au départ, donc on a pris celui de Julien. C'est Julien. Et le public qui est là, bien sûr, pour vous aider et pour aider les enfants et l'œuvre que vous défendez. On y va? Mesdames, messieurs, avec Muriel Robin. C'est la musique qui est grise. C'est ça qui fout dedans. Ouais, c'est la musique. C'est ça l'erreur de la musique, ça te tord le ventre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Julien Clerc, voici qui veut gagner des millions. En principe, tout le monde a répondu à la première, donc vous aussi. Complétez le titre de cette chanson traditionnelle en passant par là. On va attendre de voir ce qu'ils ont écrit. Marjolaine, Garenne, Lorraine... Pas facile non plus, hein. Persienne. Moi, j'ai une idée. On appelle un joker de titre. Non. Je pense que ton idée est la bonne. Allez. Vas-y, dis-la. C'est mon dernier mot. Non. Je lui perds le coup. Vous dites donc Lorraine. C'est la bonne réponse. Voilà. Oh 300 euros, question. Qu'est-ce qui est écrit au dos d'un maillot d'un footballeur, ah, c'est pour Julien ça, au-dessus de son numéro? Son nom de famille, ses mensurations, c'est drôle. Son adresse postale, le prénom de sa maman. Moi, je crois ça, c'est plutôt dans le domaine des compétences de Julien. Je ne saurais pas répondre à une question. Difficile. C'est difficile. Moi, je crois que je vais dire son nom de famille quand même. Eh bien, c'est la bonne réponse. Ah. Bravo. Troisième question, 300 euros. Que peut-on trouver dans certaines huîtres? Rigolo. Des diamants. C'est sympathique le début, hein. Oui. On se croit très fort. Oui, ça va pas durer. C'est très agréable. Ça va pas durer. Des perles. Je le sais. Des rubis. Ouais. De l'or. Des perles. Je crois que c'est des perles. Non,
crois que c'était Pierre. Je dirais père, et c'est mon dernier, c'est notre dernier. Oui, bonne réponse, en effet, du couple occasionnel Julien Muriel. 800 euros, quatrième question. La voici. Selon la croyance populaire, quand les vampires regagnent-ils leur tombeau? Le week-end? C'est drôle, je sais pas qui fait les réponses. À midi, les jours fériés ou à l'aube? Je dirais à l'aube, non? Je pense que c'est à l'aube. Oh, je crois que c'est à l'aube, parce que le week-end, les autres les répondent. Ouais, ouais. Si c'est pas à l'aube, je ne regretterais pas d'avoir perdu. Hein. Bien. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. À 500 euros déjà, c'est la bonne réponse. Et vous, vous faites le mariolet. Ouais. Et vous, vous faites le malin. Ça... Premier palier, 1500 euros avec cette question. Allez, comme le grand Schtroumpf, on voyait souvent le commandant Cousteau avec... Avec des mérous. La peau bleue, un collant rouge, un bonnet rouge ou la Schtroumpfette. Attention, attention, attention. Ah, pas, ça, ça rigole pas. Attention. On se ressaisit. Il y a très détendu, mais il y a une. Bien sûr, certaine concentration. Oui, oui, c'est ça. C'est notre dernier mot. C'est le C. Le bonnet rouge. Je veux dire C, moi. Eh bien, le premier palier est atteint. Julien Muriel, quoi qu'il arrive, il y a déjà 1500 euros pour les enfants afghans. Mmh. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. On continue. Sixième question, elle vaut 3000 euros. Comment appelle-t-on la crainte qu'inspire l'autorité publique? La crainte du soldat, la frousse du colonel, la frayeur du juge, la peur du gendarme. La peur du gendarme. C'est votre dernier mot? Vous avez l'air... Non, mais je regarde. Vous voulez, parce que la réponse va trop vite ou... Pas du tout, non, je suis stupéfait. Ça va trop vite pour vous, parce que ça va aller de plus en plus vite pour nous. Oui. Quoi qu'il en soit, c'est D. D, la peur du gendarme. Et c'est votre dernier mot. Et c'est notre dernier mot. Et c'est la bonne réponse. Septième question, elle vaut 6000 euros maintenant. Que fêtent les héros au début du film Le Parrain? Noël, un mariage, un anniversaire, Pâques, s'il vous plaît. C'est un mariage. Ouais. C'est le mariage. C'est le mariage de sa fille, je crois. On est bien sur le mariage, nous, là. D'accord. Comme voilà. Là. Mais c'est notre dernier mot. Oui. Au début du film Le Parrain, les héros fêtent un mariage. Bon, bref. C'est Don Corleone qui marie sa fille, hein, au début du... 6 000? Bon, bah, écoutez, on vogue tranquillement vers les 12 000 euros. Ce qui est stabilisé, là, c'est acquis. C'est acquis, oui. D'accord. C'est acquis, sauf... Enfin, c'est acquis, c'est à nous. C'est à vous. Oui. Mais sauf si vous perdez, vous retombez à 1500. J'ai bien compris. Soyez très, très prudent. J'ai bien compris, Jean-Pierre. Merci. Sur quel pays, Muriel et Julien, la dynastie des Tang a-t-elle régné? On ne parle pas des... Non. La Chine, le Japon, l'Indonésie, le Cambodge... Je pense que c'est la Chine parce que je connais un restaurant chinois qui s'appelle le... Enfin d'ailleurs, faut pas faire de publicité, mais il se trouve qu'il s'appelle le Tang. Je sais pas pourquoi, moi je serais allé vers le Cambodge, dis donc. Ah bon? Mais si on a un doute, il faut que... Non. Je vais vers la Chine, avec toi. L'intuition, c'est quoi? Généralement, l'intuition est toujours la bonne. Moi, je dis la Chine, je connais un restaurant... Oui, non, mais ça, on a compris, oui. Non, mais en plus, non, mais je dis pas ça comme ça. Bien sûr, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone, le prix du 48, du 64 et du 122? Non, pas du tout. Franchement, c'est pas pour ça. Oui. Ah, mais je sais pas comment elle les fait, parce qu'en même temps, elle prend sa patte. Enfin bon. Et le monsieur et la dame sont chinois. Le monsieur aussi est très agréable. Oui, bien sûr, je me dis ça. Ah, la Chine. La Chine. Hein, le dernier mot. Oui. Tu as le droit de la dire plus courte, la phrase. Oui, bien sûr. Dernier mot. Ah bon. Les Tang ont régné sur la Chine.
24 000 euros. Alors, dans les bijoux de la Castafiore, la cantatrice offre à Haddock un perroquet qui s'appelle Loulou, Coco, Pépé, Mimi. Là, moi, ça, c'est affreux, ça. Je peux pas te dire. Hein? Je peux pas te dire, elle a jamais lu Tintin. Alors j'irai comme ça instinctivement, bêtement vers Coco. Hein, ouais, mais... moi aussi. Enfin, parce que Loulou, j'y crois pas beaucoup. Pépé, Mimi. Est-ce qu'on se dit un 50-50 ou un public? C'est quoi ou... 50-50? Alors c'est, y a deux réponses qui virent. Ou un public, et à ce moment-là, le public nous dirige. Vous, votre intuition vous dirige vers Coco. Ouais, parce que, ouais, moi, je pense que c'est Coco aussi. Je Loulou, Pépé, aussi. Mimi. Ça serait bête en même temps de perdre sur un truc non. On serait pas ridicule parce qu'on n'est pas obligé de le savoir non plus. Hein, donc... Si, on l'a lu. Moi, je l'ai pas lu. Donc c'est quand même. Ouais, je pense que c'est Coco. Si vous prenez le 50-50, vous verrez on si le grille, Coco... On le grille, mais le grille est pour un Coco. Ah ben vous le grillez, vous le grillez. Enfin, si c'est pas Coco. Christophe Perroquet. Non, c'est Coco. C'est Coco. Coco. Je regarde sa réaction. C'est votre dernier mot. J'essaie de lire dans votre... C'est votre dernier mot. Coco. Ah, Julien. C'est le dernier mot. C'est à toi de le dire. Bah, dis-le, une fois, il a bien le droit de le dire. Ça marchera s'il le dit. C'est notre dernier mot. Coco. Comprends ? Vous êtes sacrément gonflé, parce que bon, Coco, ouais, c'est vrai que... Ouais. On est comme ça, nous. On... Si c'est pas Coco, je vous flingue. Hein. Ça change tout. Je vous aime beaucoup, ça n'a rien à voir. Non mais, ça change tout. Heureusement qu'il s'agit de Coco. Question. Combien la denture complète d'un adulte compte-t-elle d'incisives ? 4, 6, 8, 10. Vous pouvez éventuellement vous sourire l'un à l'autre. Celle-là, les incisives. C'est quoi les incisives ? Les incisives, c'est les septites devant qui. Les molaires, les autres, je sais pas comment elles s'appellent. C'est ça les incisives. Donc 1, 2, 3, 4. Non ? Moi, je dirais 4. Et à côté des incisives, qu'est-ce c'est que tu me fous de 10 incisives dans une bouche? C'était pas sans arrêt en train de couper, il faut bien mâcher. Non, je crois qu'on a de la molaire sur le fond. Voilà. Et là, de l'incisive. Et la canine, La canine arrive derrière. Ah, c'est une canine, ça l'air. Regarde la forme. Oui, c'est ça, l'incisive, elle tranche. Et bien alors, pourquoi que tu dis 4? Eh bien, 2 et 2. Pourquoi pas 6? Parce que j'y vais pas jusque-là. Fais voir tes dents. Regarde. 1, 2, 3. Est-ce que vous voulez que je vous prête les miennes, pardon? Oui, j'aimerais bien voir. Non, remontre-moi tes dents. Regarde. 1, 2, et celle de la côté, tu les appelles ça comment? Ça peut pas être 6 parce que ça serait. Ça peut pas être 3. 3 et 3. Et non, parce qu'on peut. Ah, bah oui, bien sûr. C'est équilibré, ça serait 4 et 4. Et 4 incisives, c'est énorme. Moi, je dirais qu'il y a 32 dents. 4 incisives, il en reste 28. 28, je mettrais 3 canines, 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. Ça fait 12. Pour prenez un joker, vous ne partez pas dans une aventure. Moi, j'ai envie de pas. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on prend comme joker? Le 55. Enfin. Le 50-50. Ça, c'est une bonne idée. Ah ouais? Alors, ça veut dire que 50-50, après. Il va vous rester que deux réponses. Ah ouais, mais ils sont foutus de vous mettre 6 et 8, on est dans le. Pas forcément. Vous allez imaginer des choses extrêmement désagréables sur nous. C'est vrai? Vous allez peut-être nous mettre 4 et 10. C'est marrant, moi je dirais que c'est. Ou alors, bon, d'accord. Alors 50-50, alors. Allez, 50-50. Ok, ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît? Il n'y a plus les 4. Oh là. 8 et 10. Bah, 10, tu vois bien que 10 et 5. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ça va repasser dans 50 000 émissions de télévision pendant 25 ans. 16 molaires, il reste 16 dents, 8. 8 incisives, 8 canines, ça roule, ça tombe pile poil. 8, allez, C. D'accord. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Tu l'as dit. Merde. Eh oh. Ah, une seconde. Je réfléchis. Fous ta bouche, toi. Non, faut pas se rendre compte. La réponse est... Vous m'auriez dit 10. On aurait perdu. C'était faux. Mais la réponse est 8. Quand je pense qu'on était parti à 4. Oui, mais c'est ça. Non, mais je t'avais dit 4. Une certaine retenue. Oui, bien sûr, c'est normal. Bon, allez, en tout cas... Quoi qu'il arrive, 48 000 euros pour les enfants. 5 x 7, donc on l'a dit, 300. 300 et quelques mille francs. Très bien, 314 000. Génial.
Question 11. Qui est le père d'Indira Gandhi? Nehru. Rajiv Gandhi. C'est Nehru, c'est le père. De Mahatma Gandhi. Nehru. Féroce, c'est Gandhi. C'est le pandit Nehru, son père. C'est A. Allez, on avance. C'est la A. C'est notre dernier mot. C'est votre dernier mot. Donc là, Julien, sans l'ombre d'une hésitation. Bah, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Bien. On peut me tromper. C'est vrai que les trois autres s'appellent Gandhi et il était tentant de se diriger vers les trois autres réponses. Bravo, c'est la bonne réponse. Complémentaire parce que. Vous les dents, bon, lui Nehru. C'est magnifique, non? Magnifique. C'est une sacrée équipe. Hein? Il reste 4 questions. 4. C'est bien. Il vous reste 2 jokers. Ça, c'est génial. Ouais, c'est bien ça. Mm. La question qui suit vaut 100 000 euros pour vous faciliter la tâche. Ça fait 655 000 francs. La voici. À Paris. En quelle année la grande arche de la Défense a-t-elle été inaugurée? 1986, 1987, 1988, 1989. Attention. Je dirais plutôt là, mais... Pourquoi? J'ai des repères par rapport à mon premier spectacle, c'était en 88. Il me semble qu'elle y était déjà. Moi, ça serait 86 ou 87, mais il faut qu'on appelle, on ne peut pas prendre le risque. Et on appelle qui alors? Là, voilà, le problème, c'est où vous faites confiance au public qui, en majorité, est parisien. Mais est-ce qu'on se souvient? Ou vous appelez quelqu'un au téléphone? Ou vous vous réservez cet appel au téléphone pour plus tard? Moi, je crois qu'on ne peut pas le faire au pif, nous, il faut qu'on utilise ou le public ou un joker. Un joker, alors on prend dans les gens qu'on a. Le public peut-être? Ou un joker de nos jokers et. On va prendre peut-être un joker, non? Ou le public, parce que sur le nombre, peut-être qu'on aura un indice. Il est bien évident, je rappelle au public, vous votez si vous savez. Hein, on vote pas au hasard. Donc. Oui, si la personne qui ne sait pas ne met pas, pas une date au pif. Ne met pas une fausse si vous pensez savoir. De toute façon, on est sûr que c'est pas en 84 déjà. C'est exact, hein, oui. Non, mais ça aide. Hein. On fera pas le public, Julien. Comme tu veux, mais écoute, vous pourrez enchaîner, mais plus... après, si vous avez un doute, vous pourrez ensuite enchaîner avec un joker téléphonique. Très bien, bien sûr. Public. Bien sûr. Allez. Voulez-vous prendre votre télécommande, s'il vous plaît? Si vous connaissez la réponse, apprêtez-vous à voter. La question est la suivante. À Paris, en quelle année la Grande Arche de la Défense a-t-elle été inaugurée? A, 86, B, 87, C, 88, D, 89. Vous votez maintenant, merci. Ouais. Bien. Tout le monde savait bien en tout cas. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont tous répondu. C'est qu'on a... Réponse A, 29%. Réponse B, 27%. Réponse C, 29%. Réponse D, 15%. Donc, si on écoute le public, on éliminerait la dernière réponse. Hein. En fait, si vous êtes sûr qu'on peut éliminer 89, si vous décidez d'appeler un joker, vous pouvez lui proposer que 3 possibilités de réponse. Ça va faciliter son champ de recherche. Oui. Ou alors, vous répondez, ou alors, il y a encore une possibilité, c'est de partir avec cette somme, mais non sans avoir utilisé le dernier joker, néanmoins. Bien sûr. Alors toi, dans tes jokers, Alors, c'est... Mais peut-être que le public se trompe aussi, hein, je veux dire... De quoi? Avec ses 15%. Et là, le public est très, très indécis. Ouais. Alors, dans mes jokers, qui serait susceptible de répondre le mieux à ça? J'en ai un qui est dans les... Quelqu'un qui est proche, qui est historien, proche de l'Assemblée nationale, tout ça, il peut savoir, ça, tu crois? Moi, je... Un historien peut savoir ça? Oui.
oui, c'est-à-dire, genre truc, tu le sais ou tu le sais pas, quoi. Recette par élimination, est-ce que les autres pourraient savoir? Roger Louret, je le mettrais pas sur ce coup-là, moi. Non. Bernard Murat pourrait le savoir, mais je... Moi, j'appellerais Laurentès. Qui est Laurentès, pardon? Il était en 11e avec moi. Ah, en effet. Ah oui, c'est sûr qu'on l'appelle? Et... Non, mais je l'ai revu depuis. Il était très bon à l'école. Alors, on y va, on appelle Laurent, voici donc cet appel téléphonique. On va lui proposer les quatre dates, bien entendu. On ne va pas prendre de risques. L'enjeu, c'est 100 000 euros. Et s'il sait, vous prendrez la décision ou non de répondre, sinon vous partez avec la somme acquise. Hein. Déjà pas mal. Oui, bien sûr. Laurent? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je suis avec Julien Clerc et Muriel Robin, et Julien a vraiment, vraiment besoin de vous. Vous êtes d'accord pour répondre? Je suis d'accord, mais ça m'étonne qu'il soit en difficulté. nous avons fait nos études ensemble. Donc depuis la 11e. Oui, c'est ça, c'est vous étiez en 11e ensemble, c'est ça? Oui, mais jusqu'au-delà du baccalauréat. Ah, quand même, félicitations. Mais félicitations à lui surtout. Attendez, vous allez voir, vous allez moins frimer dans une seconde. Moi, je ne frime pas du tout. Non. À Paris... Salut Laurent. À Paris, en quelle année la Grande Arche de la Défense a-t-elle été inaugurée? Il nous reste 26 secondes. 86, 87, 88, 89. 22 secondes. Moi, je dirais 87. 10 secondes. 87. C'est une réponse dont vous êtes certain? Non, mais c'est une réponse possible. Ça, c'est un peu le... C'est bien, Laurent, hein, t'as dû te marrer en 11e avec toi. Hein, c'est bien, Laurent. C'est bien. On est vraiment avancé, là, c'est sympa. Merci, Laurent, j'ai passé les merci beaucoup, ligne. Laurent, oui. On va voir sur la garde, hein, puisqu'elle n'est que possible. Si vous n'êtes pas... Où vous tentez le coup? Si vous tentez le coup que c'est la bonne, vous gagnez 100 000. S'il y a un souci, vous retombez à 48 000. Euros. Maintenant, vous pouvez partir avec les 72 000, avec presque 500 000 francs maintenant, en disant je m'en vais. C'est-à-dire que si on perd les 72 000, on retombe à 48 000. À 300 000 francs au lieu de... Au lieu de 500 000. Enfin... Il y a presque 200 000 francs d'écart. Si on perd, on redescend à 48 000. Tout à fait. Mais on peut toujours tenter le coup de dire 87. Mais vous perdez 200 000 francs si ce n'est pas la bonne réponse. Et alors sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Partir avec cette somme. Lui, il s'en retape en disant... avec cette somme de 72 000. Oui, en disant, je ne réponds pas à la question, je préfère partir avec cette somme. Il y a deux options, ou répondre, et ou on redescend là, ou on monte là, ou dire, nous, on s'en va, au revoir Jean-Pierre, c'était formidable, merci pour tout, et on part avec ce qui est souligné là. Écoute, il avait le choix entre 6, 7, 8, 9, il a quand même dit 87 assez vite quand même. Assez vite, c'est vrai. Peut-être trop vite. Non, voilà, si on choisit, on prendra la réponse de Laurent. Après, c'est à nous de décider. Est-ce qu'on s'arrête, on part avec ça, et après il va nous dire ding 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 87. On sera très contrarié. Il y a une autre solution. Hein, si c'est pas ça, Laurent peut mettre les 200 000 francs que vous perdez, ou Julien, par exemple. C'est une solution. Ça va plus vite que nous dans la tête. Hein. Oui. Tu comprends? C'est à nous de choisir. Ou on garde ça, ou sinon, si on donne une réponse, on donne celle de Laurent. Je tenterai le coup. Non, mais je suis peut-être trop joueur, je sais pas. 87. Vous avez le choix entre 86, 87, 88 et 89. 80, fin 86, début 86. 86 et demi, à ce moment-là. Ah, mais vous pouvez bien m'arranger le coup, Jean-Pierre. C'est pour un hôpital, c'est pas pour nous cet argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, donc, cet argent? Et toi, tout à l'heure, t'avais été sur 86. Alors moi, j'allais sur 86, mais moi, je déteste les chiffres impairs. Alors, ouais. C'est ça aussi. Hein. Mais moi. Je le suivrai. Je te suivrai. Tu le suivrais, toi. J'essaye de lire dans vos sourcils. Pas facile. Pas facile, mais... Vous avez fait combien d'années d'études de lecture en sourcils? J'ai arrêté en milieu de deuxième année, voilà. Mais quand même. Ouais, sur les bouts, c'est pas facile. Pas évident. Là, ce face-à-face est insupportable. Non, j'essaye de sentir.
Alors 87, on voit ce que ça fait sur son visage. C'est ça, c'est pas comme au poker, on voit bien sur sûr, le... Je ne connais pas la réponse. On va dire 87 très, à ce moment-là. Très honnêtement, je ne connais pas la réponse. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais vous pouvez me faire confiance, je ne connais pas la réponse. 86 alors. Je ne connais pas la réponse, c'est pas vous. Supportable. Est-ce que j'arriverai à lire dans vos sourcils? Ah, je sais ce que vous pensez de moi, c'est pas bien. Mais analysons sa réponse. Qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a dit pourquoi oui. Mesdames, messieurs, dit on peut allez, passer le coup de fil. Allez chercher une boisson chez vous, décontractez-vous, nous revenons dans quelques instants. On va aller faire des courses tranquillement. Oui, bien sûr. Oui. Il a dit bonjour, bon ça c'était très bien. Tout j'étais, je suis fort, etc. Après, toi t'es là, et il a dit 87, vous en êtes dessus, il a dit ça me paraît une réponse, c'est une réponse possible. Oui. C'est sûr. Quand il a dit 87, j'ai adoré, il avait l'air très, très sûr de lui. Oui. Et c'est quand il a dit ça me paraît une réponse possible, il avait fini sa phrase, il aurait dit entre les quatre, ça c'est sûr. Ou vous jouez, ou vous partez. Oui, on a bien compris ça, Jean-Pierre. Non, mais... Maintenant, vous me parlez autrement. Hein. C'est pas le tout, on joue gros. Julien, je sais pas, moi, dis quelque chose, prends une position. Je te dis 87. Tu me le dis? Ouais. Eh ben alors. Faut bien prendre un risque. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, on joue alors. Bah, on joue puisque de toute façon on partira avec 30 patates comme tu disais tout à l'heure. Mais enfin là vous en avez presque 50. Oui mais... De toute façon si on... Ah oui d'accord. Oh, oh. Ah oui, bah oui. Eh oui, c'est oui, ça, oui. Tu comprends. Eh ben on part avec si tu veux. Mais après si c'est 80... Bon ben partons avec, allez va. Parce alors si on part tout, avec, il faut savoir que moi j'aurais dit 86. C'est pour ça qu'on fait cette émission, Muriel, pour partir avec de l'argent, d'accord? Si c'est 88, tout le monde sera content, et puis... Mais si bah c'est oui, 87... L'important, c'est quand même le l'argent. Bah oui, c'est l'hôpital. Voilà. C'est la cause, l'important. Donc on va en rester on là, allez, on se rappellera avec. Toute notre vie qu'on a perdu, c'était très gros à cause d'une question. Est-ce que c'est votre dernier mot? Que non. Que vous partez? Bah... Qu'on réfléchisse ça aussi, hein. Bon alors on part avec l'argent. On part avec l'argent. C'est ça le but du jeu. Allez. On part, c'est notre dernier mot. J'ai mal à dire parce que si c'est 86, je vais être très contrarié. C'est votre dernier mot. Et moi 87. Et on part, c'est notre dernier mot. Vous gagnez 72 000 euros pour les enfants afghans. 472 289 francs, Muriel et Julien. Si c'est 86 ou 80, 87, pardon. 86, moi, j'avais du mal à dire 87, c'est mon dernier mot. Toi, t'aurais dit 87 bon, j'espère que c'est 88, comme ça, on n'aura pas de bon, regret. Bon, alors, Muriel aurait dit 86, affichons 86 pour voir un petit peu. Et la bonne réponse était 89. Le public n'avait pas voté pour... Sans regret, formidable. Le public, vous avez été sur 89. particulièrement bon. Mais on l'a senti, on a dit, on ne va pas les suivre. Et bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Bravo.